va parler. Dites à l'imam là que son message là est passé, qu'on a reçu le message. J'ai dit à tout le monde, hein, tous ceux qui vont s'attaquer à Guillaume Soro, tous ceux qui vont s'attaquer à Guillaume Soro, parce que toi là, tu n'es pas imam. En Djoula là, on appelle ça le Mori Brani. Tu es un Mori Brani. Alors j'attends encore à partir de 100 personnes, je déclenche la bombe. Pau. C'est vendredi, donc tout le monde doit sauter avec sa voiture, quoi. Je ne pourrais pas répondre toujours au bonjour, bonsoir, hein. Bonsoir Audrey, voilà, parce que là il joue au volant. Bonsoir à tout le monde. Merci Eddy, hier regarder commentaire et puis parler, dire bonjour là, je vais pas avancer. Je dis bien à partir de 100 personnes. Nous sommes à 100 personnes. Vous allez écouter l'imam qui a insulté Guillaume Kibafori Soro, qui a même traité Guillaume Soro d'un bâtard. De bâtard. Qui a traité Guillaume Soro de bâtard. Mais je vais lui dire qui est le bâtard. Parce qu'un imam, et puis c'est pas dans la mosquée. Tu vas traiter quelqu'un de bâtard. Même dans un maquis, même c'est interdit. On fait politique. Tu ne vas pas insulter Guillaume Soro et puis tu vas dormir tranquillement, imam. À savoir s'il est imam, voyou là, mangeur de sacrifices là. Tu ne vas pas, si tu fais ça là pour te faire remarquer, on va t'aider à te faire remarquer. Nous là, on va t'aider parce que nous-mêmes là, on nous appelle les créateurs du buzz. Ouais, quand on met nos bouches là sur toi là, non, il bégbé. Donc on va l'écouter ici. Allez, c'est parti. André Roquet, nous sommes sur Guillaume. Aïe, nous sommes sur le Kayala, nous sommes sur le bon, quand on dit André Roquet, l'Ivoirien, le Djoula, le Nordiste, quand il parle le Djoula, quand il veut dire André Roquet, il dit André Roquet. Mais un Djoula, quelqu'un qui te dit André Roquet, il n'est pas Ivoirien, c'est un Malien. C'est un imam bâtard. L'imam, il te dit ça ici. C'est toi le premier bâtard là. C'est toi. Parce que c'est vous là qui ne parlez pas de votre pays. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. Alors quelqu'un qui renie son pays, c'est un bâtard. Le premier bâtard là, c'est toi. On va l'écouter ici. Et puis il appelle sur André Roquet. Salopard là. Lui qui a fait que tu portes pas boubou là, tu ne portais pas boubou là, tu le connais pas. C'est cas de séjour qui a fait que, ouais, le musulman avait peur de porter boubou en Côte d'Ivoire, cas de séjour. Depuis le temps d'Ouvre Boigny là, il faut me dire si tu as peur de Dieu. Comme bon, vous n'avez pas peur de Dieu, voilà pourquoi tout ce truc là se passe en Côte d'Ivoire. Tu vas jamais voir un imam se lever, à part Aguib Touré, dénoncer la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Et quand il a dénoncé, il parlait du coût du transport élevé de la Mecque. Il est Tchadou Baenani Lona Wille. Il faut prier Dieu. Hein. Faut pas ambiance. Hey, ton Facebook là, il faut cacher. Sinon, si on voit l'imam, voilà le bilan. Hein.
Wallet Bilal, si moi je vois ton Facebook, imam, Wallet, tu vas démissionner. Parce que ton passé là, je vais fouiller dedans. Ton passé, l'imam, malien, ciao. On va vous parler comme ça parce que c'est lui qui protège aujourd'hui là, qui fait croire aux gens aujourd'hui qui protège les étrangers là. C'est lui qui a envoyé carte de séjour en Côte d'Ivoire pour vous. Vilain, vilain imam là. Je t'ai pas encore vu, hein. Bah, quelqu'un qui est joli là, il ne parle pas comme ça. Oh, au vu de goût à traminer quoi. Oh. Toi, tu quittes là-bas, tu viens te mettre ici, pourquoi? Bête chauffeur là. Et puis c'est un black man. Frère, pardon, excuse-moi. Ok, nous sommes Guillaume. Aïe, vous le cayez là, car il y a un dame. Avec un dame de chocolat, la chouba n'a pas de la à la naïe chisoro. Voilà, il y a la bécole là, comme le yako la masse de l'ennemi. Voilà, c'est la salle. Mouachiti, fa flan de roya. Ah, ma colo, foi, ma voilà. Voilà, c'est qui est en train de dire là. Il dit si Guillaume Soro gagne longue vie, que Dieu va honorer Guillaume Soro. Que Mouachiti y fa flandora, c'est-à-dire la promotion de ton papa là, de ceux qui t'ont mis au monde là, qu'on ne leur manque pas de respect, que sur notre auta tu vas payer. D'abord, je vais dire chose à ce voyou là, papa des microbes là, quoi, imam, je vais lui dire ici que, en politique là, ici en France là, les gens là, les jeunes gens là, eux ils critiquent le président. J'ai vu un jeune ici qui a fait succès dans la musique ici en France. Et j'ai oublié son nom. Devant François Mitterrand, il était jeune, hein. Il avait 17 ans. Parce que Mitterrand gérait mal la France. Il lui a craché dessus. Donc comme il était jeune là, les journalistes là ne voulaient pas trop le laisser parler. Il s'est levé, il est parti. Ils sont allés le chercher. Viens t'asseoir, tu vas dire ce que tu penses. Mais ce gars là, jusqu'à présent, il vit. Et il a reçu parce qu'il a été le premier à chier pour un président français sur un plateau de télé. Et il a reçu, il a reçu sa vie. Lui, il a reçu sa vie. Donc en politique là, et ce jeune homme là n'a pas été utilisé comme chef rebelle pour que Mitterrand soit président. Ce gars qui a chié pour Mitterrand là, il n'a pas été utilisé. Guillaume Soro a donné sa vie. Pour Draman, imam imbécile. Je te dis ça ici. Dans tes conneries de prêche là, quand tu veux faire la faute, laisser la maison de Dieu, tu vas aller faire ça au maquis, Soula, ancien voleur. Soula, ancien voleur. Quoi, imam? Ton Draman là, il a utilisé la vie de Guillaume Soro. Il pouvait perdre sa vie. Guillaume Soro pouvait perdre sa vie. À cause de lui. Guillaume a dit, j'étais prêt à prendre balle à cause de Draman. Toi, tu étais où? Toi là, tu étais où? Faux imam là, tu étais où? Voyou là, tu étais où? Cherchais des femmes, des gens là, tu étais où? Vous les imams là, si vous ne pouvez pas parler, si vous ne pouvez pas appeler à la paix là, fermez vos gueules. Tous les imams qui vont se comporter comme toi là, moi là, nous nos groupes là, on s'est occupé de vous. Parce que Dieu n'a jamais dit dans le Coran de respecter un imam, sinon tu ne rentres pas au paradis. Le Coran a parlé de vous. Vous les voyous aujourd'hui là, le Coran a parlé de vous. On dit, le Coran a dit, je ne sais pas c'est quelle sourate, mais j'ai écouté quand mon passé, moi j'étais voyou, j'étais pas Kramoro, bon j'étais enfant de Kramoro, mais moi j'ai pas fait le Coran comme les zouzous là. Il dit vers la fin du temps, l'islam là, c'est-à-dire les imams là,
Ils vont se comporter comme des voyous. Ils seront tous des escrocs. Et toi, ça dit, toi, tu es la preuve aujourd'hui que tu es vendu. Tu es vendu. Pendant que tu parles dans la maison de Dieu, pour dire, ouais, Guillaume Soro n'a pas respecté Alassane Ouattara, il va mal finir là. Mais les gens qu'ils ont tués là, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah, qu'est-ce que tu as dit dans ça? Les microbes qui sortent là, pour se promener là, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas envie de faire écouter les gens parce que je vais t'insulter. Donc, je suis dans l'obligation d'apporter les preuves. Pourquoi je t'insulte? Voilà. Je suis dans l'obligation de faire écouter les gens. Comme ça, ils vont pas dire non, mais ils parlent de quoi? On va écouter. D'affaire de Boubou que tu parles là, cas de séjour que tu parles là, c'est Gbagbo qui a enlevé ça. C'est pour te dire, Gbagbo, Laurent et puis Ouattara là, c'est pas la même chose. Gbagbo il est humain. Toi l'imbécile, tu vas te lever, venir dire des conneries et puis nous on va te voir, on te laisser. Gbagbo, Laurent là, Blé Goudé l'a suivi en prison là. Parce qu'il sait qui il est. Voilà pourquoi il est parti avec Gbagbo là-bas. Mais Ouattara là, alliance qu'il a fait avec tout le monde. On a qu'à lever. Il y a Guillaume dedans même. C'est pour qui tient aujourd'hui les alliances là? Il a été tellement malhonnête que tout le monde est parti pour le laisser. Comme tu veux savoir, Blé Goudé n'a pas dit que Gbagbo a tué. Mais Blé Goudé est petit dans l'affaire là. Dramane Ouattara a envoyé Alassane. Gbagbo, Laurent et Blé Goudé en prison pour une justice équitable. Mais c'est la même justice là qui a dit que Gbagbo, Laurent et Charles Blé Goudé n'ont rien fait. Donc, il ne faut pas prendre exemple sur ça. Ouattara a été malhonnête. Cas de séjour là, affaire de Boubou que tu vas parler là, c'est Ouattara qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. Autant d'ouvrir Boigny là, autant d'ouvrir Boigny. Nous les nordistes là, on n'avait pas de problème. Nous les nordistes, on n'avait pas de problème. C'est quand Ouattara est arrivé là, il a mis un système pour que les gens, ils s'attaquent aux gens. C'est pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens, il faut l'union pour faire partie de ce cancer de la Côte d'Ivoire. Il faut l'union pour que ce gars-là, il quitte la Côte d'Ivoire. Mais on va se mettre ensemble. Je vous ai dit qu'il parlait français maintenant, non? Entre guillemets. Entre parenthèses. Il y a l'affaire de Gbagbo là. Vous voyez? J'évolue, hein? Il y a l'affaire de Gbagbo là. Où on dit que Ujan, Gbagbo Laurent. Oh mon Dieu, ça a commencé encore. Où on dit Ujan, Gbagbo Laurent a reçu son passeport. Mais où est Ujan dans ça là? C'est son droit. C'est son droit. Passeport là, c'est un droit. Si RFI disait que Gbagbo Laurent vient d'être élu, comme ça vous pouvez mettre en titre, en tête comme quoi Gbagbo Laurent vient d'être élu. Pour son passeport là, où est l'urgence là? C'est parce que Ouattara n'est pas bon. Gbagbo Laurent a donné passeport diplomatique à la maman d'Alassane Ouattara pour aller se faire soigner. L'imam, tu as cherché là, tu as trouvé. Biku Trebi, Wale Bilay. Toi, tu crois en Dieu, non? Moi aussi, là, je crois en Dieu. Imam ne peut pas, moi, m'effrayer. Imam, là, ne peut pas, moi, m'effrayer. Quoi, imam? Quel bon imam, même. Et puis, c'est dans la mosquée de Dieu. Tu vas dire des conneries, là-bas. Donne le passeport de moi, là, il va rentrer, ouais. Quoi, non, je vais voir. Le passeport, même le criminel terroriste, ici, là, en France, ici, là. Tu es français, 100%, là. Tu n'es pas devenu français, hein. Tu es français là, on te donne toi. C'est-à-dire, ils ne vont pas t'arracher tes papiers. Tu es en prison, même si tu veux passeport, ils vont prendre, ils vont te donner. On va l'écouter ici. Donc, afin des cas de séjour où tu ne portais pas Boubou, tu as parlé de ça tout à l'heure.
Tu vas parler de ça tout à l'heure là. Cas de ce jour là, c'est Gbagbo Laurent qui a enlevé pour te dire qu'il est bon. Vous les étrangers là, c'était dans le transport avant. Aujourd'hui là, dans le transport là, vous gagnez combien? Même les commerçants, même au marché là. La fois passée, j'étais allé renouveler mes papiers. J'ai croisé un Malien qui est né en Côte d'Ivoire. Il dit, Ouattara a tout gâté. Et les chiffres d'affaires dans le mois là, ça dépassait 70 millions de francs CFA. Mais il dit, depuis Ouattara est arrivé, même 5 millions, il ne gagne pas. Tout est gâté dans le pays là. Donc ça veut dire que Ouattara même là, il ne vous aime pas. On va terminer la vidéo du voyou là. Il m'a dit que tu es bandit, que tu es imam. Amena il là, c'est quoi un vrai imam? Faut pas dire. Ouais, Samy. On se trouve dans le parking. Hein. Non. Dès que j'arrive à 5 minutes de là-bas, je vais t'appeler. Ok, et voilà. Allez, à tout à l'heure. Ni baboka e kanen tinga kandatir do e kribe ala san fe ja yen nambarato ni hashide pi bita so deni halala dinteke wala billahi dite sene fo halalay wala il dit que Guillaume Soro n'est pas, je sais pas comment, oh, c'est pourquoi souvent on dit faut pas trop parler vite là, j'ai dit je comprends français pour dire voilà que Guillaume Soro c'est un bâtard, que il n'est pas le fils de son père, parce que quand on dit halala din là, ça dit Guillaume Soro. Là, il est en train de traiter la mère de Guillaume Soro d'une femme qui, voilà, avec, on ne sait pas, le père de Guillaume Soro, c'est qui. L'imam, c'est toi le bâtard. Il est. C'est toi l'imam là, le bâtard. C'est pas Guillaume Soro. Guillaume Soro, son papa s'appelle Clément. Clément Soro, paix à son âme. Paix à son âme. Et puis Guillaume Soro se bat pour la Côte d'Ivoire. Il n'a pas renié ses origines là. Il n'a pas renié ça. Mais toi, le Malien, toi, tu parles de la Côte d'Ivoire comme si chez toi, c'était Manhattan, le Mali. C'est toi, le bâtard. Tu vois maintenant, il est le Nyamro Tenli. Vrai bâtard, là, c'est toi. Alors, on avance. Je suis en train de commenter et je... Ça, c'est le vrai gendarme, ça. Nous, nos gendarmeries à Palo, les conneries, là. Les bâtards, là. Eux, ils tuent les gens. Ils accompagnent les micros pour aller tuer les gens. Voilà ça, quand tu les vois là, tu as peur. Parce que eux là, c'est pas affaire de dire non, je connais le président, je viens du nord, je viens de l'est. Il n'y a pas ça dedans. Nim les ladrons, abelaïkou. Si tu fais connerie sur direction, on t'attrape net là. On dépose ça sur toi. Boop. Allons. À ma téléphone, l'on est Djanfaï. Bah, il dit que le Sénifo ne trahit jamais. Et c'est vrai. Le Sénifo là, moi le Moré, le Sénifo là, les deux ethnies là, wallah, moi j'ai du respect pour ceux là. C'est pas pour ne rien. Il faut venir partir chercher les Moré, venir garder. Parce que les Burkinabés qui sont chez nous là, la majorité là c'est les Moré. Eux là, quand on dit homme intègre là, c'est eux. Et le Sénifo, moi je vois Sénifo comme ça en Côte d'Ivoire. Sénifo ne trahit jamais. Si Sénifo trahissait là, Guillaume Soro n'a pas trahi. Il allait se mettre aux côtés d'Alassane Ouattara. Imbécile! Il allait se mettre aux côtés d'Alassane Ouattara. Parce qu'il a mené un combat pour lui, pour son jeune âge. Pour lui, ce que Ouattara disait là était vrai. Il venait du Nord. Et il allait envoyer la démocratie en Côte d'Ivoire. Tu vois, l'imam? Il n'a pas fait. Donc, Guillaume Soro ne veut pas trahir la Côte d'Ivoire. Ouattara a chassé Bédié. Tous ceux qui ont fait route avec lui là, pour qu'il ait le pouvoir là. Ouattara a chassé tous ceux là. Tout pour moi, rien pour les autres. Ouattara. Ako Begbin. Donc Guillaume Soro, s'il restait avec Ouattara, c'est comme le combat qu'il avait. C'est-à-dire sa conviction là. De liberté d'expression. L'égalité en Côte d'Ivoire là. N'te boyignan, imbécile là. Comment t'es sauvage comme ça là?
roule maintenant. Il y a Rada ici, et puis c'est bouché devant là-bas. Évidemment, si vous me refaites un André, tu es sur autoroute. Pata là. Tu vois, Guillaume Soro, c'est pas un traître. D'inventer, t'es. Il est le mec d'inventer. Parce que quand il se joue, Guillaume Soro qui a fait, Ouattara qui a fait, il y en a quoi à faire, qu'on entête de l'équipe de l'an. C'est Ouattara qui a envoyé à faire des boubous là en Côte d'Ivoire. C'est pas Guillaume Soro. D'inventer, t'es. Il est levé qui en vendait. Dans ton pays là, c'est gâté. Est-ce que vous parlez de ça? Dans votre pays là, c'est gâté là-bas. Est-ce que vous les Maliens, est-ce que vous parlez de ça? Est-ce que nous on peut aller parler dedans? Un étranger peut parler au Mali? Dans l'affaire de politique, un étranger peut parler? En Guinée c'est la même chose, Burkina c'est la même chose. Mais pourquoi quand vous êtes chez les gens, parce que tu t'appelles, ton, ça dit, parce que tu parles là, la même langue que les gens du Nord. Tu vois? Et maintenant, tu veux faire croire aux gens que toi, là, tu viens du Nord. Il faut dire le nom de ton village, Imam Bata. Guillaume Soro n'est pas Bata. Il est le Bata. C'est toi, l'imam, là, qui est Bata. Et puis, quand tu fais tes imbécilités, là, c'est pas dans la mosquée. Hein? La politique n'a rien à voir avec la religion. Hein? Et après, tellement il fait politique à la mosquée, tu penses que Ouattara, il va te donner quelque chose? Tu le penses vraiment? Attends, la dîme. Allons, on écoute encore. Voilà, que Guillaume Soro, c'est un bâtard. Voilà. Bon, ça, c'est la mosquée. Écoutez, hein. Voilà, au poste, on est comme maintenant. Donc, il quelle est la femme, quoi, son? Il va au Moussalaka. Il est au Moussalaka. Ah, donc Moussalaka Tala. D'accord. Donc, on est à Trasso sur le bio, mort de Béa. Voilà. Voilà, lui, il a déjà dit pour lui aussi. Il y a un gars de Soro ici, là. Lui, il a déjà dit pour lui. Je ne sais qui boit Taka. Voilà. Négata Doke, ne sais pas si vous avez un micro de Taka Doke. Taka Doke, Doke. Voilà. Amaïna Alaka, Alaka, Labania. Voilà. Alaka, Sutra. Il a parlé comme ça. Il dit dans le temps, il n'y a pas de temps. Alaka, 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 Alaka. Voilà. Il a dit que si tu vois que lui parle comme ça, parce que dans le temps de Bédié et Gbagbo, lui, il a subi des tracasseries des autres. C'est pourquoi lui, il parle comme ça. Mais ça vient de cas de séjour, mon vieux. Ça, tu ne le sais pas? Ça vient de la cas de séjour. Cas de séjour, là, que Gbagbo a enlevé, là, ça vient de la cas de séjour. Pour dire, ouais, toi, tu n'es pas d'ici, là. Tu viens de là-bas, là. Ça vient de cas de séjour. Cas de séjour, là, c'est Alassane Ouattara. Dis-moi, depuis Ouattara a été élu, là, est-ce qu'il a déjà construit une mosquée en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a déjà inauguré une mosquée en Côte d'Ivoire? Il faut nous dire ça aujourd'hui. Depuis qu'il est élu, c'est-à-dire ses 10 ans de mandat, là. Est-ce qu'Alassane Ouattara a déjà inauguré une mosquée? Où faut Boigny a construit une mosquée. Gbagbo Laurent a aidé les musulmans à aller à la Mecque. Bédié l'a fait. Dans le temps d'Alassane Ouattara aujourd'hui, là, tu n'as pas 2 500 000 là. C'est-à-dire que tu ne peux pas envoyer quelqu'un à la Mecque. Pourquoi Ibana qui en faut là? Et puis c'est dans la mosquée que tu as venu t'arrêter. Il n'y a pas de dénigre. Parce que quelqu'un qui a une petite tête là, il réfléchit toujours moins. Bah, c'est en fonction de la forme de sa tête là que lui réfléchit. Salut Wassa. Donc, je lance ici. Tu as déclenché quelque chose que tu ne pourras pas supporter. Parce qu'on est dans Toulon. On ne va pas te laisser. Tous les autres vidéomans sur Oïs là, ils vont faire ta sauce. Et Soro aussi, voilà, merci beaucoup. Soro a construit une mosquée. A fait que c'est tout. Guillaume Soro là. Lui là en haut, en bas, à gauche, à droite là. Il n'est pas musulman, il n'est pas Koubarou. Mais il a construit une mosquée. A fait que. Et il a aidé les habitants d'Abobo. Il y avait une grande mosquée là-bas. Il a donné l'argent là-bas. Pour travailler dans la mosquée là.
Et c'est toi, tu as venu t'arrêter parce que tu veux avoir non. Pour avoir non, là, c'est chaud. Hein? Tu vas encaisser beaucoup. Tu vas encaisser beaucoup parce que ça, là, si c'était dans le contexte de l'islam que tu parlais des musulmans, même si tu mentais, je n'allais pas te répondre. Mais comme tu es rentré dans politique, là, et puis à la fin de ton discours de merde, là, où tu dis que s'il y a des gens de Soroï, s'il y a des Soroïs ici, s'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à organiser leurs conférences aussi, ou bien ils n'ont qu'à, je ne sais pas, ils les prêchent aussi pour dire ce qu'ils pensent. Nous, on ne va pas organiser. Nous, on est déjà organisés. Ami Lama, Maloubiéo. Tu as roulé? Donc l'imam, c'était ta part. Te dit que Ouattara n'a pas construit une mosquée. Pour aller à la Mecque aujourd'hui, si tu n'as pas autant de Gbagbo Bédié là, où vous boigner tout ça là, c'était 1 million, 1 million 500. Aujourd'hui là, pour envoyer ton parent même à la Mecque là, mon frère, si tu n'as pas 3 millions là, ou bien 2 millions 500 ou 3 millions là, tétara. Ça c'est dans le temps d'Alassane Ouattara. Et la carte de séjour, c'est Ouattara qui envoyait contre les étrangers. Et c'est Ouattara qui autorisait les gens. À l'époque, il était le premier ministre à aller rafler devant les mosquées. Si tu as eu problème dans ça, il ne faut pas t'en prendre à Guillaume Soro. Et puis Guillaume Soro, là, ce n'est pas écrit dans le Coran que sur le bouffon de roi vert ou roi, là, que c'est interdit, là. Ce n'est pas écrit dans le roi. Dans le Coran. Quand tu veux devenir quelque chose, là, tu te bats pour ça. Il y a maintenant. Dans tes imbécilités là, ça là, ni, je te donne une semaine de prison ferme, parce qu'on ne va pas te laisser. Et puis il dit, j'ai parlé comme ça non, ils vont m'envoyer ta page, j'ai pas demandé, hein, mais ils vont m'envoyer ta page, ton compte Facebook là, ils vont m'envoyer ça. Et tu vas voir ta photo, partout, et ton passé là, ce que tu faisais là, ils vont nous dire, et puis on va publier. Kafrio. Sramaya doit le venir. Toi, tu es venu menacer la vie de quelqu'un. Hein? Nama irem la brobeka irek kalaim. C'est-à-dire, s'il ne fait pas attention, il va mourir un jour. Tu dis ça à la mosquée. Tu es en campagne. Même si on est en campagne, même là, on ne peut pas se le permettre de dire que, ouais, s'il ne fait pas attention, il va mourir. C'est normal. Ouattara est le président des étrangers. Faut pas en se mentir. Parce que nous vivons en France ici. Le français même là, il te montre ta place. Mais au Gabon là, Gabon tout près là, est-ce que les gens ne sont pas à l'aise là-bas? L'étranger respecte le Gabonais. Mais est-ce que vous avez déjà vu dans les sondages que Gabon là, ils sont racistes? Non! Tu ne peux pas être roi chez moi. Et puis après Alassane Ouattara là, Affaire de dire, ouais, quelqu'un, ça dit, tu as deux côtés même là, un côté Mali ou bien un côté Côte d'Ivoire là, il était qu'un président, hein. Premier ministre, oui, tout ce qui est chose là, oui, mais pour dire, tu vas devenir, c'est dur, hein, faut pas, on va être hypocrite. On n'a qu'à dire, moi j'ai dit ce que je pense, parce que l'Ivoirien ne peut pas se comporter comme ça. Vous avez pris un pasteur, bon, lui, c'est pas la peine, parce que lui, il est rentré au resto aujourd'hui. Vous avez pris quelqu'un, le jeté en prison. Un imam qui est venu dire, et c'est vrai, tous ceux les deux années passées là, ou bien depuis Ouattara a eu le pouvoir en Côte d'Ivoire là, les gens qui ont fait partie leurs parents à la Mecque là, ils savent combien ça les a coûté, ils le savent. Pas tout est business aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout est business en Côte d'Ivoire là, tout est business. Voilà pourquoi lui-même, il dit qu'il a été élu en business. Parce que Macron le félicite en business. On n'a qu'à se dire la vérité. Le français même ne peut pas accepter ça là. Le policier français, il te dit, ouais, chez nous ici. Le policier français, il te dit chez nous ici. Mais pourquoi vous ne voulez pas que nous on dit chez nous? Est-ce que nous on parle, quand il y a problème au Mali, c'est nous on parle dedans. Nous on ne les voit pas.
C'est pas que ouais, la Côte d'Ivoire est mieux que le Mali, mais nous on ne voit pas Mali parce qu'on s'est dit quoi, ouais, c'est des gens qui veulent s'en sortir. Et puis je vous dis, difficulté que nous on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, les gens n'arrivent pas à se mettre ensemble. Mais c'est les étrangers qui sont microbes là qui tuent les gens. C'est ceux-là qui sont payés par Alassane Ouattara. Parce qu'au Mali, là, ils sont un. Ouattara est venu d'abord, il nous a divisés. Et il s'en sert aujourd'hui. C'est pourquoi quand je vois des Ivoiriens qui disent non, on ne sait même pas ceux-là. Akana Blani Mouchie, Aïtoa Aérolaï. Et puis on va voir si ça va changer. Tant qu'on ne serait pas unis là, Ouattara est calé. Propre. Pas Ouattara sait. Faut pas que quelqu'un va se blaguer. Vraiment, Ouattara sait que lui, le jus tombe là. Première nuit là, c'est en prison. Avec ta casso là, Ouattara, il le sait très bien. Sa première nuit là, quand il va quitter au palais là, c'est dans prison. Ouattara le sait. Donc, faut pas que quelqu'un va se blaguer. Ouattara va faire un deal avec lui. Et puis après, voilà. Non, 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 non. Ouattara sait. Depuis 2002, toutes les tueries là, jusqu'à aujourd'hui là, tout ça là, ça est dans le compte de Ouattara. Parce que personne n'a, on n'a jamais attaqué Ouattara. Personne. Il n'y a pas un politique qui a attaqué Ouattara. Mais Ouattara attaque toujours, il a toujours attaqué les gens pour pouvoir s'en servir après. Et je vous dis, affaire de djihadistes en Côte d'Ivoire, quand Ouattara va tomber là, si on ne fait pas attention, la Côte d'Ivoire va être régulièrement attaquée par les terroristes. Parce que lui-même, c'est un terroriste. Et je vais profiter. Il y a un frère qui a quitté en France ici. Il allait construire. Il est RHDP. Mais on va l'aider parce qu'il est dans la vérité. On connaît en France ici. Là, vous voyez, j'ai porté ça là. Et puis il y a ça là en bas. C'est parce qu'il fait froid. Abidjan là. Quand on est en Afrique là, on vit bien. Alors quelqu'un ne peut pas passer 20 ans en France, construire des maisons, mettre en location pour garantir l'avenir de ses enfants. Alors quelqu'un ne peut pas se lever comme ça parce que lui il n'est pas content. Même en France ici, maison squat ici là, quand tu es dans squat là, ici en France là, quand on vient pour te jeter au dehors là, tu es sans papier, hein, on te donne maison. Et puis on vient afficher d'abord un document pour dire vous allez quitter tant, 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 donc apprêtez-vous. Mais le gars, sa vidéo, je partage souvent. Mais mon frère, je vais t'aider, on va t'aider. Je suis sûr, il est RHDP, peut-être qu'il m'a déjà insulté. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un, Ngoran, je ne sais pas qui s'appelle Ngoran, il travaille à la... Vous voyez, quand je vous dis à Alassane Ouattara, là, c'est un marmailleur, c'est un menteur. Là. C'est un Ngoran, non pas voulu, qui a cassé maison d'un pingis à Abidjan. C'est-à-dire un pingis qui a lutté ici jusqu'à il est tombé malade. Il a fini de réaliser au pays. Un Kaninga, quelqu'un qui vient du nord, un Koyaga. J'ai dit ça comme ça, parce que ceux-là, ils ne sont pas connus. Donc quand il dit un Koyaga, peut-être que... Un Koyaga, ils sont allés casser sa maison sans document. Que parce que le gars dit, lui, il travaille au palais. Il va montrer au gars que, ouais, qu'il travaille vraiment là-bas. Est-ce que la Côte d'Ivoire est gérée comme ça? Est-ce que la Côte d'Ivoire est gérée? Mes frères, en fait ton combat. Ils vont te recevoir. Tu seras reçu. Et tu vas expliquer ce qui s'est réellement passé. Donc l'imam, il y a Batra de Alan. Faut plus jamais tu vas insulter Guillaume Soré encore. Tu peux être militant d'Alassane Ouattara. Mais pour dire tu vas insulter l'enfant du pays. Toi tu es étranger. Ici là nous on est appelé étranger. Dans le pays des droits de l'homme, on est appelé étranger. C'est pas un crime. Je vais te le dire. Parce que ton accent même montre que tu viens de Ouassolo. Il t'est ivoirien. Parce que tout ivoirien aujourd'hui là se bat aujourd'hui pour la paix. Et puis je vous dis ici, tous ceux qui sont avec Alassane Ouattara aujourd'hui là, ils sont pris à la gorge. Ils sont pris à la gorge. Parce que tu n'es pas avec lui. Il te dit que tu es contre moi. Alors ils vont te faire yodé et siro. Ils vont te faire ça propre. Voici des gens qui passent leur temps à accuser les gens. Ils veulent faire coup d'état. Deux sauts de munitions. Et puis Kalash, Kalash, 14 Kalash. Guillaume Soré a été accusé.
Et puis toi, l'imam, je reviens encore sur toi. Quand tu dis que ouais, Guillaume Soro, Blé Goudé a soutenu Gbagbo Laurent, c'est vrai, lui, il est ivoirien, ils sont ivoiriens. Ils ne sont pas malhonnêtes. Dans la rébellion, là, au moment où Guillaume Soro jouait sa vie, a donné sa vie pour Alassane Ouattara, mais il ne savait pas, il se disait que ouais, je donne ma vie pour la liberté ici en Côte d'Ivoire. Au moment où Guillaume Soro donnait sa vie, là, Gbagbo Laurent l'a accepté. Pourtant, il était. Guillaume Soro même a dit. Il dit sur RFI là, j'ai attaqué Gbagbo Laurent. Je l'insultais. Et puis, matin, quand il me voit, il me salue, il me serre la main. Gbagbo Laurent. C'est ça, on dit ivoirien. Et ce Gbagbo Laurent là, son pouvoir a été attaqué. Pouvoir démocratiquement élu. Il avait été démocratiquement élu. Et son pouvoir a été attaqué par les rebelles. Et Guillaume Soro à la tête. Il avait été nommé par Alassane Dramane Ouattara. Jusqu'à 4 ans après ou 3 ans après, il est nommé premier ministre. C'est le Nankama. C'est-à-dire qu'il est venu pour ça. Gbagbo a acheté une maison pour lui. Une maison de fonction. Si on peut dire ça comme ça. Malgré qu'il est dans l'inégalité, hein, Gbagbo l'a donné maison de fonction. Mais est-ce que ce n'est pas pour ça là aujourd'hui là, pour même maison là, que Ouattara, le vieux dragon là, a condamné Guillaume Soro, Abidjan? Nateko Longwa, arrêtez de prendre les causeries de grains canassiques comme Mramaraka en forme rognine. Et c'est pas bon. Il était imam yo, parce que si tu étais imam là, il comptait la politique qui est fingue là. Et puis jusqu'à insulter la maman de Guillaume Soro. C'est la politique qui est. Monsieur là, trouvez-moi le Facebook de l'imam là, vous allez me donner. Et puis ton passé là, depuis ton âge de 14 ans là, je vais remonter jusqu'à là-bas. Mieux beaucoup de blacknema. Il est long. Faut respecter les gens. Gbagbo a donné maison à Guillaume Soro parce qu'il travaillait pour Alassane Ouattara. Écoutez bien, c'est important ce que je dis là. Gbagbo Laurent a donné maison à Guillaume Soro parce qu'il travaillait pour son adversaire politique. Vous avez déjà vu ça? Il a donné maison. Et ce gars-là a été élu président avant la fin de son mandat. Il condamne parce que son adversaire, à l'époque, était le président, a donné une maison légalement à Guillaume Soro. Et il le condamne pour ça. 20 ans. Vous pensez que Dramane, il est humain? Hein? Vous pensez que Dramane, il est humain comme ça? Ça, c'est qui m'appelle là? Bon, si je me fâche, il ne faut pas t'énerver. Tu me vois en direct. Tu es en train de réagir direct là. Pourquoi tu m'appelles? Hein? Gbagbo était le président, il n'était pas le chef rebelle. Il a donné maison à Guillaume Soro. Ton Dramane là, aujourd'hui là, il a condamné Guillaume Soro pour ça, 20 ans. Mais il était ce qu'on fait Kourana là, il m'a eu Kourana là, des voyous là, papa des microbes. Alors, papa des microbes, quoi imamou? Il est imamou, il est son voleur là, voyou. Sinon, si tu as peur de Dieu là, tu as dit la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Imbécile là. Si tu as peur de Dieu là, tu n'allais pas aller insulter la maman de Guillaume à la mosquée. Salaud là. Vilain, ta bouche qui pue là. Et goulant en forme là. Konori imam là. Voyou son. Mori Breni, quoi, on vous connaît? Vous là, on vous connaît. Mais toi là, au nom de Dieu, il y a un voisin sur toi. Et puis il y a publié. Il t'en l'a fait. Votre Dieu là, Alassane Ouattara là, avec cela, il a tient fait. C'est pas vous là.
ces femmes qui sont en train de m'appeler comme ça. C'est pourquoi je n'aime pas affaire des femmes là. Peut-être que tu es quelque part avec tes copines, tu veux montrer que tu causes avec moi. Arrêtez ça là. Tu me vois en direct et puis Yengi la mounela là. Moi, le cas te dit quoi ici? Ate tiens, faut voir nyene. Tiens, à qui bâti en forme? Avec Corona, Corona. Quand mami tombe dans bâti en forme, attends les labinier. Yeni lo est ton vilain boubou là. Kani loco, ouais, Guillaume Soro, c'est pas un enfant halal. Est-ce que toi-même là, tu es halal? Hein? Toi là, est-ce que toi tu es halal? Quoi, il m'a alimenté. Non, c'est vrai, ça chauffe trop quand tu écoutes. Mais... Et puis c'est dans la mosquée, tu vas insulter Guillaume Soro. Soula là. Ni qu'à Guillaume Soro, ni quoi, Almamia, ne fait que Almamili. Un imam là, c'est pas un dieu. Voilà, donc à Foko, il y a une mamie et Mike, tu vas parler, puis nous, moi j'ai à avoir peur de te répondre. Non, mon frère, tu as tiré dans l'eau. Puis si tu nous crois qu'à tout, attendez dans l'eau, hein. Non, foncez, tu as. Ah, donc on va dire, moi, quoi. Donc, faut pas que tu as compté sur ça pour dire non, que tu es imam, tu as venu dire la connerie sur Guillaume Soro, et puis moi, j'ai été laissé. Afa Kouloussi était laissé. Afa Koulou, Ninkito, Ntitoï. Et puis on ne va pas te laisser. Ah, nous là, on critique Draman même. Donc c'est pas vous les imams voyous là. Djokok, salut. C'est pas vous là, nous on va laisser. Des voleurs comme ça là, à cause de vous là, l'islam n'est pas respecté. Mais ton dossier là, il a sorti ton dossier. Fais-moi confiance. Amiral Blindé, fais-moi confiance. Je te donne une semaine. Mais comme quelque part c'est-à-dire, je suis humain là, voilà pourquoi. Sinon, j'allais casser ton papa là, j'allais casser ça. Pas si il fait ça, peut-être que ça peut envoyer problème dans ton foyer. Sinon, il est là, il est tout assez flou. Et puis, je suis sûr, à 100%, parce que toi là, tu es un imam alimentaire. Donc, tu es prêt. Attends. Voilà, peut-être je vais donner à quelqu'un d'autre. Sinon, moi-même, là, il n'est pas venu m'asseoir parler de toi comme ça. Parce que, mais c'est qui a foutu ça. Ton foyer, là, je n'ai pas envoyé problème dedans. Mais comme, voilà, je sais que tu as des enfants. C'est eux, là, des imams comme ça, là, nous, qui ont un bébé qui est micro-pouillé. Quand vous voyez les imams, là, au dénou, ils veulent aller au bétromi, finger nous. À ce moment-là, ils veulent nous, et les salauds, là. A te tiens, faut tiens, y'en a des abisranagnes. Imam, nous tous là, on mourir un jour. Il faut avoir peur de Dieu. Dieu t'a confié quelque chose. Si tu ne peux pas intervenir là, c'est-à-dire pour que, c'est-à-dire pour envoyer la paix entre les gens là, viens pas insulter un camp. Imbécile. Même si Dieu devrait te protéger même là. À la fin de ton discours où tu dis, ouais, s'il y a un soro ici qui est fâché, il n'a qu'à faire don là. Tu as montré que ouais, tu ne parlais pas au nom de Dieu. Tu parlais à cause de ton ventre. Salopard, vilain imam là. Mieba, mais il sait que tu es vilain. Ta bouche qui pue là, escroc. Ils sont pleins comme ça là-bas. C'est les pasteurs là, on attaque. Sinon, les imams là, il y a beaucoup de voyous. Plein même. Je m'en bats. Hey, vous, je n'en dois là. Annie, Fengen, nous, les Aruna là. Vous mettez les trucs à la con là. Et puis, Avena, le Kamro, il freine nous. Foui! Si vous étiez puissant là, Gbagbo était là. Il a fallu que l'armée française là vienne bombarder Gbagbo Laurent. Ou bien il y a Adn de soi. Vous n'étiez pas là-bas? Qui dit vous que moi puissant n'y a pas de soi? En te coup, toi là, ma. En te coup, toi là, ma. Venez insulter Guillaume Soro, de Pata. Il est là où vous comptez. Allô? Ouais, je suis là.
Je suis là, je suis là. Je suis vers l'escalier. On arrive. Ok. Tu dis, c'est un gars qui est venu te chercher, ok? Donc voilà ma part de vérité à ce voyou-là. Il n'a qu'à apprendre à respecter les gens. Ok? Faut pas te comporter comme un imbécile. Sinon, nous, là, on se comporter comme un chien. En te répondant, t'insultant aussi. Voilà. Parce que moi, on te gagne quoi. On n'a qu'à se respecter. Et puis tu vas voir aujourd'hui. Amène il quoi. Hein? Même j'ai toi-même que tu as gagné dans presse là même là. Il y a Ibn Yabeko. On t'a allumé propre. Et tu vas apprécier. Allez, salam alaikum. Amé quoi faire?